Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France. En fait, je vais faire l'étape un jour avant les pros. Allô, François ? Alors, comment ça se passe ? Pas bien, ça se passe pas bien. Évidemment que c'est dur. Tu peux encore pédaler, tu vas t'accrocher. Putain ! On est comme qui dirait la caravane de François. Et moi, je suis comme qui dirait son directeur sportif. On est comme qui dirait une équipe. On a tous un moment, des moments où on peut être un tout petit peu brillant dans notre vie, puis il y a beaucoup de moments où on est vraiment, voilà, on a le quotidien assumé, un petit peu voilà, les prérogatives de la vie qui nous chargent comme ça. Je pense que c'est bien, c'est ce qui m'intéressait moi, de se dire, tiens, bah, on va en prendre un, et puis on va se projeter dans lui, et puis on va lui faire vivre des choses qu'on peut peut-être pas vivre tous les jours, et de montrer qu'on peut encore avoir une capacité à rêver, quoi, que c'est, voilà, que c'est quelque chose, il faut se donner un petit peu les moyens de ça. Non ? Clovis est un acteur qui s'est très bien abordé et préparé ses rôles, et là, il avait, enfin, très vite, on a mis en place, voilà, il s'est fait son programme lui-même, très sérieux. Parfois, j'essayais de le déroger un petit peu, mais viens, allez, on va au restaurant, prends un peu de vin. Il voulait rien savoir, il était... Il y a ce que fait son personnage, et il y a aussi l'acteur, ce qu'il doit faire pendant tous les 3 mois du tournage. Et on avait beaucoup de vélo à faire, et il s'est plus entraîné, non pas pour paraître un cycliste, mais pour pouvoir assurer pendant tout le tournage. Le Tour de France, l'épreuve sportive m'intéresse, mais ce n'est pas la seule chose, c'est plus tout ce qu'il y a autour. Le passage des cyclistes est très court, mais les gens sur certains coins du prisé du Tour de France, ils viennent 2 jours à l'avance. Et là, ça communique, ça partage, c'est aussi une façon de se retrouver, de marquer un moment un peu sympa dans la vie, quoi. Donc ça faisait partie des choses que je voulais montrer et de rentrer un petit peu à l'intérieur de ça. Je trouve que c'est un des grands plaisirs du Tour, plus que la compétition en elle-même. Voilà, je sais que vous allez voir beaucoup de films français. Vous êtes de l'autre côté de la planète. Je sais qu'il y a un nouveau cinéma néo-zélandais et australien. Donc j'attends maintenant de voir vos films. Bonne projection, à bientôt.